printemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau DIY dans lequel je vais vous montrer encore une fois comment faire une closure. J'ai eu à recevoir beaucoup de messages de certains d'entre vous qui m'ont dit qu'elles n'arrivaient pas du tout à comprendre le processus de comment faire une closure, comment faire des nœuds, etc. Et aussi dernièrement, je vous ai fait un sondage sur YouTube où je vous demandais si ça vous intéressait que je refasse un tuto sur ça. Et la majorité a voté, donc voilà les résultats du pourcentage. Là, on va renouveler les choses. Décidément, aujourd'hui, il y a des travaux partout. Vous entendez, vous allez vraiment m'excuser pour le bruit. Et aussi pour l'écho, parce que voilà, j'ai un peu changé le cadre et je me retrouve dans une pièce qui est vraiment entre quatre murs, c'est fermé. Du coup, c'est normal qu'il y ait l'écho. Bref, ok. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera divisée en deux sections. Donc, il y aura la partie théorie et la partie pratique. J'ai vraiment fait de mon mieux de faire en sorte que cette vidéo soit complète. J'ai pris des notes en fait, tout ça pour vous montrer à quel point je suis investie dans cette vidéo, je veux rien louper. Bref, sans plus tarder, on va donc commencer avec la partie théorie. La première des choses que vous devez savoir, c'est quel genre de tulle faut-il utiliser. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de tulle. Tant que vous n'avez pas une bonne tulle, sachez que vous pourrez absolument pas faire une belle closure. Donc c'est hyper important. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans ce domaine-là. Attendez, je pense que j'ai même des échantillons ici, histoire de vraiment faire les choses bien. D'accord? Voilà, j'ai trois types de tulle là. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, il y a ce style de tulle là qui ressemble à de la moustiquaire avec des espèces de gros trous. Ils sont vraiment espacés et différents de toutes les autres tulles. Il ne faut pas faire des closures avec ça. Ensuite, on a des tulles comme ça. Là, le tissu, il est étirable. Vous voyez, je tire dessus là et ça s'étire carrément. Il ne faut absolument pas faire des closures avec ça parce qu'au fur et à mesure que vous allez venir faire des nœuds, bah, la tulle, elle va s'étirer. C'est vraiment énervant en fait. Donc, pas ça non plus. La dentelle qu'il vous faut dans cette une dentelle comme ça, c'est de la dentelle suisse. Une petite astuce, en fait, la dentelle suisse au toucher, ça ressemble beaucoup à... Et ça ressemble pas à du tissu, c'est un peu un mélange entre du plastique et le tissu. Si vous tombez sur un bon fournisseur honnête et tout, il va vous donner ce que vous avez demandé. Mais celle qui achète, en tout cas, vous touchez comme ça et c'est un mélange entre le plastique et le tissu. Et même quand vous tirez dessus, il n'y a pas d'élastique en fait, ça ne s'étire pas. Voici la dentelle suisse qu'il faut acheter pour faire vos closures. J'espère que c'est clair. Si c'est clair, passons à la suite. Deuxième chose, quel outil utiliser? Il faut savoir qu'il existe deux outils. On a l'aiguille et le crochet. Moi, si je peux vous donner un conseil, surtout pour celles qui débutent ou même voilà, pour celles qui ont du mal, utilisez l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, personnellement, ça fait des années déjà que je fais ça. J'utilise le crochet. Utilisez l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise, histoire que ça puisse vraiment vous permettre de faire votre closure et de vous en sortir en maîtrisant le geste en fait. Ne partez pas vous mettre en tête qu'il faut vraiment que ce soit avec une aiguille, pouvoir le faire. Non, vous pouvez commencer avec ça et après, au fur et à mesure, vous commencez un peu à vous adapter avec celui-là. Donc moi, je dis ça plus pour faire des petites finitions sur des lèvres frontales. Mais sinon, bah, moi, je suis de la team crochet. Troisième chose, c'est quelle technique faut-il utiliser? Au bout de ces derniers mois, j'ai donc découvert une nouvelle technique que moi j'ai appelée la technique ligne par ligne. Voilà, c'est une technique qui consiste à accrocher vos nœuds en faisant des lignes et vous allez espacer chaque ligne d'une ligne. Parler comme ça, vous ne pouvez pas trop comprendre, mais dans la partie pratique, je vous ai montré tout ça. Je pense que j'ai tout dit pour la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Je tenais vraiment à m'excuser parce que je ne sais pas ce qui se passe, je perds tout le temps des extraits quand je fais des vidéos qui sont un peu longues. Du coup, j'ai perdu l'extrait où je vous montre vraiment le début de la vidéo, comment je mets des nœuds. Mais j'ai rattrapé ça vraiment. Je pense que les parties où que j'ai eu à perdre, là, surtout là où je vous montre comment faire des nœuds, j'ai zoomé comme vous m'avez demandé. Et surtout, je vais revenir sur la même partie, histoire que vous puissiez comprendre les gars. D'accord? Donc voilà, sans plus tarder, moi je vais donc vous laisser avec la partie et je vous retrouve à la fin. Ok, donc aujourd'hui je vais utiliser une closure 2x6. Ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est venir fixer la tulle sur une tête à perruque histoire d'avoir beaucoup plus de stabilité. Ensuite, je vous invite à observer votre tulle. Vous voyez bien qu'elle forme des espèces de lignes. Très important. Là, je vais prendre mon crochet, comme je vous ai dit, moi c'est ça que j'utilise.
Voici comment vous devez tenir la mèche. Enfin, c'est comme ça que moi, je tiens ma mèche en tout cas. Il y a beaucoup de théories sur ce sujet, mais c'est à vous de voir en vrai. Comment faire des nœuds? Donc là, je prends mon crochet et je l'insère dans à peu près deux trous de ma tulle sur une ligne, comme je vous ai dit d'observer les lignes tout à l'heure. Ensuite, une fois que je passe mon crochet, je viens prendre quelques cheveux, trois cheveux ou voilà. Je passe, j'accroche les cheveux dans le crochet. Ensuite, je passe avec la mèche entre les trous. Une fois que la mèche est passée, je ramène la mèche à l'arrière du petit bâton. J'accroche l'autre partie de la mèche dans le crochet, puis je fais passer la mèche au milieu, ce qui va créer un nœud. Voilà en gros comment faire un nœud. Récapitulatif, on va bien zoomer maintenant. Comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà aligné les cheveux, chaque nœud sur une ligne. Donc, je prends le crochet, je l'insère dans deux trous de la tulle. Et là, je viens prendre quelques cheveux. Comme vous pouvez voir, dans le bâton dont je vous parlais, le crochet a un petit bâton comme ça, il est très utile. Donc, je passe la mèche dans les trous. Là, c'est fait. Ensuite, je passe la mèche derrière le bâton, ce qui va permettre que je puisse accrocher l'autre partie de la mèche pour pouvoir la faire passer au milieu de cette mèche là. Donc là, j'accroche la mèche dans le crochet, le bâton il va se refermer et passer au milieu de la mèche. Voilà, comme vous pouvez le voir là, ça passe au milieu, ça doit passer au milieu comme ça, et quand vous tirez, ça vous forme un nœud. C'est aussi simple que ça. On va reprendre encore une fois. Je mets mon crochet dans deux trous de la tulle sur une ligne. J'accroche mes cheveux. Donc moi, j'en ai pris trois, je crois. Voilà. Encore une fois, vous observez bien le petit bâton dont je vous parlais. Vous allez passer la mèche entre les deux trous. Ensuite, vous allez prendre cette mèche qui est passée entre les deux trous. Vous allez la mettre derrière le petit bâton. Et vous allez venir accrocher l'autre mèche avec le crochet. Puis le petit bâton, il va se refermer. Et la mèche, elle va passer au milieu. C'est aussi simple que ça et ça vous forme un nœud. Voilà les filles, j'espère en tout cas que vous avez compris. Donc la technique ligne par ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir là, j'ai aligné des nœuds sur chaque ligne de la tulle. Et ce que je vais faire, c'est venir faire à peu près 5 nœuds sur la première ligne. Voilà, une fois que j'ai les 5 nœuds sur cette ligne-là, je vais donc venir sur la ligne qui suit. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux lignes sont espacées d'une ligne. Je vous invite vraiment à prendre votre tulle et à l'observer. Vous verrez bien que chaque tulle forme des lignes. Et vous allez faire des lignes en espaçant chaque ligne d'une ligne. Donc là, je vais venir faire le même processus. Je vais venir mettre à peu près 5 cheveux pour être à la même limite que la première ligne en fait. Et c'est aussi une astuce pour partir plus rapidement parce que au fur et à mesure que vous allez le faire, ça va vraiment ressembler un peu à un puzzle. Donc vous aurez juste à venir remplir chaque trou, sachant que vous savez déjà exactement ce que vous devez faire. Là, les trous ne s'en font pas un peu... voilà, comme avant où tu fais ça vraiment comme ça. Là, il y a des lignes à suivre et je pense que c'est beaucoup plus pratique pour celles qui se perdaient un peu. Parce que là, c'est juste que tu vas venir suivre des petites lignes. Tu mets 5 nœuds, 5 nœuds, 5 nœuds jusqu'à compléter le reste jusqu'au bout en fait. Donc moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à un petit jeu. Là, ça devient plus amusant. C'est un peu comme si vous faites un puzzle en fait. Vous avez juste à venir remplir chaque pièce, mettre les cheveux là où il le faut. Donc voilà, je continue à remplir comme vous pouvez le voir. Donc un conseil pour aller plus rapidement, je préfère vous conseiller de mettre au moins 5 à 6 nœuds. Comme ça, vous allez pouvoir rattraper ça plus rapidement en évoluant de gauche à droite. Enfin, si vous avez commencé par la droite, vous partez à gauche. Si vous avez commencé par la gauche, vous partez à droite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça forme des lignes. Et c'est tellement plus beau, c'est tellement plus propre. Si vous ne voulez pas des nœuds aussi gros, vous pouvez prendre moins de cheveux. Tout dépendra que de vous. Mais moi, je trouve que ça rend plutôt bien comme ça. Et je vous conseille de réduire quand vous êtes vraiment
en haut. Je reprends encore une deuxième partie où j'évolue comme ça et je vais remplir ça jusqu'à l'autre côté. Je trouve que c'est comme ça, c'est vraiment plus amusant. Vous savez exactement ce que vous faites et c'est un gain de temps. Vraiment. C'est vrai qu'avant, quand je mettais des nœuds au hasard, je partais vite. Sauf que là, il y a beaucoup plus de définition, surtout même du côté visuel. Et c'est très pratique parce que vous avez juste à suivre des lignes, en fait. Je vous recommande vraiment d'essayer. Et voici donc le résultat final. Sur le devant, j'ai réduit mes cheveux. Mais c'est toujours le même processus. J'ai suivi les lignes du début à la fin. Et comme vous pouvez voir, le devant est beaucoup plus naturel que l'arrière. Le secret, c'est juste réduire les mèches. Et là, comme vous voyez, il y a des lignes qui se sont créées. Et chaque ligne est espacée d'une ligne. Donc, en gros, voici le processus. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière de la tulle, il n'y a aucun trou. Tout est propre. Pour celles qui le font avec des cheveux, des vrais cheveux, vous pouvez même décolorer. Et vous verrez que ça sera parfait. Et la devanture, la hairline, on adore, c'est très très naturel. Donc voilà. Alors, faire une closure, ça peut paraître comme une torture, ça peut paraître comme marcher sur des pointes, pas pour certaines. Mais moi, je vous dis en fait que si vous maîtrisez bien les techniques et surtout si vous avez de la volonté, de la détermination, beaucoup de patience, et surtout, si vous savez pourquoi vous le faites et ce que vous allez obtenir derrière, je pense que ça fera en sorte que vous puissiez vraiment vous poser et pouvoir faire des closures. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent sur le fait que moi, j'arrive à faire mes closures 4x4 en 5 heures. Et je vous dis que c'est possible. Moi, quand je me pose, je suis focus dessus. Quand tu vois que tu n'en peux plus, arrête-toi. Tu vois, tu t'arrêtes. Et quand tu auras un peu plus d'énergie, un peu plus de temps, tu continues. Même si tu vas prendre 3 jours, 4 jours, une semaine, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ce que vous devez savoir, c'est que quand tu commences, tu pouvais le faire en 7 jours. Et après, quand, au fur et à mesure que tu vas vraiment commencer à le faire, tu fais ta première closure, tu arrives, tu finis. Tu fais ta deuxième closure, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ton temps, il sera réduit. Ce que tu faisais en 7 jours, tu vas commencer à le faire en 5 jours, 6 jours, jusqu'à même te retrouver à le faire en une journée. Des gens qui parlent et tout. En fait, on est dans une génération où les gens aiment trop la facilité et c'est dommage. Essayez juste de voir ce que vous voulez derrière, ce que ça va vraiment vous donner derrière et je pense que vous aurez vraiment la volonté, l'envie de le faire en fait parce que tu sais ce que ça va te donner. Si par exemple tu fais des closures et autres, tu sens que ça ressemble à de la torture, je te conseille d'arrêter tout simplement parce que c'est pas ça le but. Il faut que tu te dises que oui, c'est un travail, c'est difficile, mais il n'y a rien de facile en fait dans ce monde. Il n'y a aucune closure qui se fait à la machine. Toutes les closures sont faites à la main. N'oubliez pas, quand on veut, on peut. Donc si tu veux, tu pourras. D'accord? Pas d'excuses. Donc voilà, là c'était vraiment la partie conseil. Là je vous parle en tant que sœur, en tant qu'amie, en tant que fille. Parce que oui, je sais qu'il y a des mamans qui me suivent ici. Donc voilà quoi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est quelque chose que moi j'applique au quotidien pour pouvoir le faire. Voilà les gars pour la vidéo. Donc j'espère en tout cas que j'ai été assez claire dans mes explications. Là, je pense qu'il faut vraiment que je mette des sous-titres sur cette vidéo, sinon ma communauté anglophone va me tuer en fait. Ça, si parmi vous il y a des créatrices ou des créateurs de contenu, je vous invite vraiment à me dire si vous connaissez comment mettre des sous-titres en anglais facilement sur les vidéos. Dites-moi comment faire parce que je ne sais vraiment pas. J'ai essayé de voir si la technique que moi je veux utiliser, elle va me prendre énormément de temps et honnêtement, j'ai pas envie de faire ça. Donc s'il y a vraiment une alternative, une façon de mettre ça directement sur YouTube, dites-le moi pour que je mette des sous-titres parce que là, ma communauté anglophone est en colère. Vraiment. Et donc voilà les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider. Si après ça tu n'arrives toujours pas à faire ta closure, je pense qu'il est temps de prendre ton inscription pour venir suivre la formation en live. Okay. Je vais vous mettre la fiche ici. Comme ça je vais t'apprendre ça moi-même de vive voix, en personne. Toutes les personnes en tout cas qui veulent participer à la formation. Je vous invite en tout cas à m'écrire sur Instagram pour avoir plus de détails. Alors je pense que je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis là et je réponds. J'ai vraiment fait de mon mieux les gars. Je croise les doigts pour que ça puisse aboutir. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.